Bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 70, Jabamia. L'ange Jabamia est un ange gardien féminin qui symbolise l'alchimie et la transmutation. Il procure la réussite dans toutes les entreprises. Son nom signifie « Dieu qui produit toutes choses ». Il offre à ses natifs inspiration et créativité, ce qui facilite le lancement de projets. Grâce à son pouvoir de régénérescence, il permet de rétablir une harmonie et de transformer le mal en bien. Vous pouvez l'invoquer si vous avez du mal à déterminer un objectif. Il vous sera d'une grande aide pour vous recentrer sur votre projet. Jabamia peut également vous soutenir si vous avez peur de la mort et vous permet de mieux accompagner les mourants. Symbolisant la transmutation, il aide en effet à quitter le corps physique pour un corps spirituel. Cet ange peut tout, même ressusciter les morts. Et d'ailleurs, les initiés savent que c'est Jabamia qui est chargé d'orienter les premiers pas des défunts lorsqu'ils arrivent à l'autre monde. Prière à l'ange Jabamia. Ange Jabamia, producteur de toutes choses, fais de moi le réceptacle conscient de ton verbe, de ta vibration, de tes énergies. Remplis-moi, ange Jabamia, de ta présence, afin que lorsque la société m'appellera à l'action, ce soit ta force qui agisse, ta voix qui commande, ton divin génie qui construise, qui édifie. Régénère en moi, ange Jabamia, tout ce qui n'est pas en conformité avec la loi divine, et accorde-moi de penser que mes œuvres sont miennes, car en réalité, je les ai toutes réalisées grâce à toi. Permets, ange Jabamia, que les circonstances me soient favorables, propices à la réalisation de mes projets, de mes souhaits, et place devant moi les personnes qui conviennent pour faire fructifier, pour faire réussir ce que, grâce à toi, je veux entreprendre. Merci et reçois tout mon amour et ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.